chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu nous a protégés pendant toute l'année 2019. Il a gardé nos parents, il nous a protégés à l'école, il nous a fait réussir tous nos examens pendant toute l'année. Nous devons lui donner gloire pendant les services d'adoration. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons-le. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie, tu sauverais les cieux, lui qui trace la route au monde comme
Je vais lire la lecture sur le passage psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on n'y a rien en un de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lanceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne se privent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la plongée pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et de ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont l'âme pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Yon vie pour Jésus, bail la paix, couillon rivière qui paraîtait, difficulté yon convini, mais Jésus là et ça suffit. Et même sa vie ou plus chaque jour pour toujours avec vous, remets au Christ.
Premièrement, l'école des dimanches commence à 10h15. Nous vous invitons à amener vos enfants pour qu'ils puissent passer un moment apprécié avec eux. Il y a ensuite un culte des enfants qui débute à 11h et finit à 13h30. Deuxièmement, j'aimerais remercier Radio Cubemed pour son support pendant l'été et qui a diffusé notre émission Selon les enfants. Amen. Un grand merci à l'Assemblée d'avoir écouté notre émission. Amen. J'aimerais aussi dire un grand merci à Frère Sylvain Jean-Baptiste, le caméraman, qui mène nos vidéos sur YouTube, ainsi que son assistant Frère Junior. Passons maintenant aux anniversaires. Plusieurs enfants fêtent leurs anniversaires pendant le mois de novembre, décembre ainsi que janvier. La sœur Julissa, le frère Claude, la sœur Sylvie, le frère Aki, la sœur Léa, le frère Marvin, la sœur Kéren, la sœur Emmanuel, le frère Jackens, le frère Jerry, la sœur Mia et la sœur Sandu, ainsi que moi-même. Nous invitons les personnes concernées à célébrer, donc tous ceux qui fêtent leurs anniversaires, ainsi que les personnes qui fêtent leurs anniversaires que je n'ai pas nommées. Donc je vais maintenant prier pour mes anniversaires. Je vous invite à prier avec moi. Je te remercie, mon Dieu, de miséricorde. Toi qui es dans le nom du Seigneur. Je te remercie d'avoir accordé une nouvelle année aux personnes qui fêtent leur anniversaire, Seigneur. Je te demande de les conserver avec toi pour qu'ils soient dans la bonne voie, Seigneur, et qu'ils puissent monter au paradis, te rejoindre et t'adorer. Je te prie au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, viens esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur, sois le centre de nous.
Somme au nom de Jésus. Amen. Somme 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui gère alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des siens et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Alors, présence nous qui là, moi-même avec Frère Silvio, comme à chaque année, nous toujours voulons prendre le temps pour nous encourager Timonio dans le travail que a fait dans le champ bon Dieu. Et nous connaissons pendant l'été, pour l'année 2019, prend le temps pour être capable de faire plusieurs sujets sur Radio Cube Mid. Alors, comme à chaque année, nous voulons prendre le temps pour nous souligner l'effort. Parce que c'est pendant que Timon a fait effort comme ça, nous voulons qu'un béo dans la ligne. Ça. Ou même qu'il ait une chance pendant l'été, autant de Timon dans l'émission que tu as fait, tu as traité plusieurs sujets. Et dans le sujet que tu as traité pendant l'année 2019, nous avons gagné un sujet sur la confiance en Dieu. Nous avons gagné un sujet aussi sur le mensonge. Les armes du chrétien, l'importance de la prière, la paix de Dieu, la puissance de la croix. Si vous n'avez pas de chance d'entendre l'émission, je ne sais pas comment PDG Radio va le faire pour remettre ça en ordre pour capable remémorer tout ça qui était fait déjà. Et je vais demander sans plus tarder et pour la sœur Chloé, capable de passer en avant pour nous. Pour vos applaudissements. J'ai demandé à Sœur Gloria, attendez, avant la distribution des cadeaux. J'ai demandé à Sœur Gloria de passer en avant. J'ai demandé à Sœur Emmanuel de passer en avant aussi. Sœur Léa pour le passer en avant pour nous. Yvelige pour le passer en avant pour nous et la sœur Mélissa. C'est toutes belles mesdames Sayo qui t'a performé pendant l'année. Alors, sœur Chloé, tu as traité sujet sur la confiance en Dieu, sœur Gloria sur le mensonge, sœur Emmanuel sur les armes du chrétien, sœur Léa, l'importance de la prière. Sœur Yvelige, la paix de Dieu. Et Sœur Mélissa, la puissance de la croix. Amen. Alors, nous voulons, au nom de Radio Cube Mid, remercier vous le fait que vous avez pris le temps pour être capable de traiter ce sujet. Ça. Et nous connaissons vraie récompense là, c'est dans le ciel là la sortie. Mais pendant nous ici-bas, nous voulons témoigner nos remerciements. Amen. On me fait savoir qu'il y a Fania et Clivens aussi qui ont performé. Désolé. Ok. Ok. Donc c'est ça, c'est tout. Staff là. Tout staff ça qui t'a gagné là, qui t'a traité tout le sujet ça pendant l'année. Hein? Donc, et, Frère Silvio Mbral, qui t'a pour capable de faire distribution pour nous. Nous toujours prêts à encourager les jeunes pour le travail pour bon Dieu. Mais nous choisissons Radio Cube Mine pour être capable de commencer. Et le directeur radio a tient à remercier avec un petit geste pour capable faire un cœur content afin que l'année prochaine nous soyons capables de toujours encourager. À chacun de nous, nous avons un cadeau.
battre son gros bravo pour dire que la joie. Toute gloire, c'est pour mon Dieu.